Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Chification. On se retrouve aujourd'hui sur Modern Warfare 3 pour ma nouvelle série. Donc, je suis un peu peiné parce que je voulais vous en parler dans ma dernière vidéo qui a malheureusement encore une fois buggé. C'était l'épisode 6 de Let's Play, donc je vais faire comme avec la rétro gaming, j'ai recommencé l'épisode. Mais ça me fait un peu chier parce que voilà, il y a quand même des grosses choses qui avaient été vues dans l'épisode qui a buggé. Donc bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va... Je vais faire, je recommencerai l'épisode et puis je vous montrerai comme dans l'épisode 5 de la Retro Gaming ce que vous avez manqué. Donc, dans cet épisode 6 de la Retro Gaming, je disais de la Retro Gaming, de Let's Play, je disais donc, enfin j'avais donc dit qu'une nouvelle série était à prévoir. C'était AFTX Tournament, donc on y est, premier épisode. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série? Alors souvenez-vous, je voulais déjà le lancer cette série, AFTX Tournament, c'était pour notre tournoi en recherche et destruction. Mais malheureusement, par manque de temps, j'ai dit, bon bah on va laisser tomber, machin. Et donc là, on a fait une deuxième saison de ce tournoi qui vient de commencer. Et donc là, je me suis dit, bon, on va avoir le temps, cette fois-ci, j'aurai le temps. Donc AFTX contre les zombies va être mis en attendant en pause ou sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu dans la vidéo. Donc voilà, donc vous allez suivre pendant toute cette série en fait va consister à vous faire suivre les FTX dans leur tournoi. Donc voilà, donc là on est au premier match de poule pour ce premier épisode, normal. Donc c'est les AFTX, donc nous, bien évidemment, contre les UMF, donc pour le premier tour, donc les UMF qui sont une team alliée, une team alliée à nous. Donc on a fait beaucoup de matchs contre eux, on a quasiment tout le temps gagné contre eux. Il n'y a qu'une fois où on a perdu, et d'ailleurs c'était la veille de ce match. Donc là, ce jour-là, on était un peu stressé, on s'est dit, ça se trouve, on va refaire la même erreur, on va encore perdre et tout. Donc on était quand même assez stressé, mais on y allait. Donc là, on a gagné la première manche, vous avez vu. Donc pour ceux qui se disent, parce que vous allez voir à peu près quasiment, enfin vous allez voir souvent bon, bah, mon écran, hein. Après vous allez voir l'écran des autres quand je vais mourir. Mais vous allez vous dire, ouais, tu campes pas mal et tout. Pour ceux qui diront ça, sachez que moi, dans les matchs de team, mon rôle, c'est de faire comme un support player, si vous voulez. C'est en fait de faire un support player, mais du rusher, pas de l'objectif player. En fait, c'est Forest49 qui n'est autre que mon cousin, qui est un co-leader d'ailleurs des FTX. En fait, c'est un rusher. Et en fait, je vais avec lui et j'essaie de couvrir la plupart du temps ses arrières, enfin là où il peut pas voir. Donc c'est pour ça des fois que je ne bouge pas beaucoup. Je préférais mettre les points sur les i. Donc dans l'équipe des AFTX pour ce match, il y avait donc moi, Twister, Karplouf49, Forez49 et Boom92. Donc c'était un 5 versus 5, car le tournoi se déroule en 5 versus 5 ou en 4 versus 4. Donc là, vous voyez, par exemple, on mettait là pour couvrir les arrières de Forez. Et puis, au pire, voilà, je m'avançais un petit peu pour voir. Je regardais un petit peu autour, au cas où. On sait jamais. Donc, pour ma classe, j'étais avec la Scarelle silencieuse. En arme secondaire, je crois que j'avais la P99, grenade frag, grenade flash. En atout, j'avais... Passe-passe, bonne gâchette. Et que je dise pas de bêtises, je crois que j'avais silence de mort. Donc là, kill cam de fin par Twister à la type 95. Donc là, on est sur la première map qui était bootleg. Qui était notre map d'ailleurs. À la base, c'est pas notre map officielle, bootleg. Mais on avait choisi pour ce match de changer un peu, d'innover. Et ça nous a plutôt. Ça a plutôt même très bien payé, vous allez voir, le score final est quand même assez, on va pas dire, ouais, on va dire quand même assez humiliant pour les UMF. Ça nous a fait, enfin moi personnellement, ça m'a fait un peu de peine de mettre cette vidéo là sur ma chaîne, ça me peine un peu, mais c'est comme ça, c'est la série hein, qui est faite comme ça. Donc là voilà, j'ai eu un peu de chance que Forez me fasse un peu de diversion pour ce mec à droite, parce que s'il m'aurait vu, j'aurais pu me faire tuer. Donc là, ça va plutôt vite, hein. 4-0 déjà. Twister qui fait un très beau score pour l'instant, il fait du 7-0.
Avec sa type 95 viseur laser. Vous allez me dire, ouais, mais il y en a un dans votre équipe, on a vu Boom 92 jouer avec la PP 90. Donc je vois Twister jouer à la type 95, c'est facile, oui. Mais Boom 92 déjà joue à la PP 90, mais quand vous voyez sa connexion quand je fais Select, il avait qu'une barre de connexion, parce que son frère faisait je sais pas quoi, enfin, sur l'ordi. Donc il pouvait pas, il avait une très mauvaise co. Donc PP 90 ou pas, voilà, il essayait quand même de se démerder le plus possible. Et puis Twister, c'est une des premières fois qu'il joue à la type 95. Et puis de toute façon, la type 95 et la PP 90 M1 sont autorisées qu'une seule fois par équipe dans le tournoi. Ils sont autorisés qu'une par équipe. Donc là voilà, je les avais bien prévenu qu'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière, vu que j'ai vu que j'allais pas réussir à l'avoir. Donc en défense, vous avez vu que on a souvent la même technique. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que ça a pas nous, un gars de la team qui m'avait dit, est-ce que ça a pas nous pénaliser si on met les vidéos sur ta chaîne alors que le tournoi vient juste de commencer, parce que les autres teams pourront regarder ta vidéo et voir un peu notre technique sur les maps. Alors j'ai dit oui, dans un sens oui, c'est vrai que ça va nous pénaliser, ça pourra nous jouer des tours, mais dans un sens aussi non, parce que là pour l'instant voilà, c'est pas notre map officielle, donc franchement c'est pas très très pénalisant. Si on utilise une autre map contre la prochaine team, voilà, ce sera pas très très pénalisant. Donc là, une petite killcam de fin encore de moi. Donc j'en ai déjà fait deux, je suis assez content, j'ai fait 2-3 killcam de fin dans cette partie. Donc là 5-0, vous voyez, on est déjà vraiment en train de les battre. Moi je fais du 4-0 et Twister fait du 8-0, vous voyez, on est les deux à pas avoir été mort encore de la partie. Donc vous avez vu que voilà, à chaque fois du côté droit on est tout le temps Twister, moi et Forez, et du côté gauche il y a Carplouf et Boom qui vont ensemble. Donc franchement on a plutôt une bonne entente. Dans ce match on a fait une très bonne communication d'ailleurs. Les membres à FTX m'ont dit, mais pourquoi tu nous as pas laissé nos micros ressortir? Bah tout simplement parce que moi après j'aurais pas pu bien les entendre, de une. Et de deux, il y a pas mal de rage, surtout Boom, vu qu'il avait une mauvaise connexion, il arrêtait pas de crier. Et donc voilà, je pense que c'est pas très intéressant d'entendre des gens enragés. Je préfère plutôt vous faire un bon commentary. Enfin bon, ouais, voilà, un commentary à la place. Donc là, il en restait plus qu'un, on le cherchait tous les trois, on le cherchait. Donc là, je me fais tirer dessus, jette une petite flash. Et là, il y a, comment il s'appelle, voilà, Forest qui est venu m'aider. Donc voilà, 6-0. Donc là, d'ailleurs, les UMF, on les entendait qui commençaient, enfin, moi, je les entendais personnellement, leur leader commençait un petit peu à stresser. Il voulait pas qu'ils perdent 8-0 quand même, ça se faisait pas trop. Donc rassurez-vous, je vais vous dire tout de suite, en tout cas, je vais pas vous spoiler le truc, mais ils ne vont pas perdre 8-0, ça c'est sûr. Je vous dis pas s'ils vont perdre ou gagner, enfin, vous le savez à peu près, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure que le choix de la map et que la stratégie nous avait plutôt très bien réussi. Vous voyez déjà Twister qui fait en plus du 11-0. Donc vous devez vous douter qu'on va gagner ce match. Donc la Forest qui fait un kill, Carplouf qui se fait tuer à la grenade. À la grenade. J'ai un peu cafouillé, n'est-ce pas? Donc là voilà, moi je me mets tout le temps de ce côté-là. Quand je vois qu'il n'y a personne, bon voilà, j'avance vraiment. Et là je crois que c'est là. Je crois que c'est là où on va vraiment à comprendre. Voilà, Twister se fait tuer. Forest aussi, par la même personne. Boom se fait cuter. Et donc il restait plus que moi. En fait, ils avaient posé la bombe. Comme c'était prévu de le faire. Et puis bon, bah voilà, moi je suis mort. Vu que j'ai voulu contourner, ils devaient s'en douter. Donc comme vous voyez là, ils sont quasiment tous en vie. Il n'y avait que un qui était mort. Donc ouais, là, ils nous ont vraiment bien bien surpris. Ils ont, quand on a posé la bombe, ils ont bien réussi à contre-attaquer. Donc bien joué à eux. Donc 6-1, ils commencent à remonter une manche. Bah voilà, on était déçus de pas pouvoir mettre 8-0, mais bon, c'est pas grave. On était là quand, en fait, au début du match, on était vraiment, voilà, on se disait, voilà, c'est un match officiel, ça va être filmé, il va falloir assurer et tout. Et au fur et à mesure du match, plus on commençait à prendre des manches, plus la confiance commençait à revenir. Donc voilà, donc oui, je vous ai parlé au début de la vidéo de ma chaîne secondaire. Donc j'en avais parlé dans l'épisode de Let's Play, mais j'en parlais maintenant à la place. Donc ma chaîne secondaire, donc Monsieur Codification, allez dans ma subbox. Je sais, vous allez me dire, c'est pas très horrible, enfin, j'ai repris le concept quoi.
Et donc à quoi ça va servir cette chaîne? Bon bah ça va servir tout simplement à mes vidéos de Call of, mes vidéos de autres FPS. Là vous voyez Boom qui buguait vraiment, hein, parce que là il était devant lui, il aurait très bien pu le tuer, mais il buguait tellement qu'il a même pas pu l'avoir, puisque là s'il aurait eu une bonne co il l'aurait eu. Donc, il restait plus que Carplouf avec sa P90 et son ACR, condition extrême, bonne gâchette et silence de mort. Il a la bombe, à mon avis je crois qu'il va aller poser. Il va décider d'aller poser. Très bon réflexe d'ailleurs. On est contraint, il faut poser quand on a la bombe. Donc je parlais de ma chaîne secondaire. Donc AFTX contre Zombie. Donc comme je vous ai dit, vu que l'AFTX Tournament est arrivé, AFTX contre Zombie risque de migrer sur ma chaîne secondaire. Vous allez avoir une petite annotation pour vous diriger vers ma chaîne secondaire. D'ailleurs, mon intro officielle y est. Donc je vous laisserai s'il vous plaît y aller, vous abonner, aimer la vidéo, commenter si vous voulez, etc. Et ne vous inquiétez pas, des vidéos sont à prévoir dessus. Je vais pas laisser ma chaîne secondaire comme ça. Je vais pas faire une chaîne secondaire pour rien faire dessus, vous inquiétez pas, je vais mettre des gameplays, des clips et tout ça. Donc là voilà, j'ai décidé pour la dernière manche de changer de classe, d'enlever ma Scarelle et de prendre mon ACR silencieux, impact, silence de mort, bonne gâchette et passe-passe, grenade frag, grenade flash. Donc là vous voyez qu'on était largement en train de maîtriser un 7-1. Donc là on partait vraiment tranquille. Voilà, je mets toujours à mon petit spot. Ouais, je tire, ouais, ça c'est une habitude aussi des fois que j'ai, je tire dans le panneau au cas où il y a des gens, il y a du monde, parce que j'arrive des fois à en tuer par là. Donc là voilà, il y a des gens qui se sont fait tuer par là, je les ai vus. Donc je dis à Forest de faire gaffe parce que ça risque d'arriver en bas. Là, je vise entre ses jambes au cas où il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, je vois qu'il arrive à les avoir, je vois que Twister arrive à en avoir aussi. Donc je vais aller de l'autre côté, voilà, il y en avait un. J'ai bien fait, mais ah, malheureusement, il y en a un deuxième qui était juste derrière, je me suis fait avoir. Donc Twister est en train de faire demi-tour. Forest lui, il est resté là où il était. Donc Forest lui joue avec la FAT silencieux, Twister joue avec la Scarelle chargeur à grande capacité. D'ailleurs Twister fait du 13-2, très très bon score pour un match de team. Donc d'ailleurs moi j'aimerais bien que dans les commentaires, si vous avez une team et que vous faites des matchs de team, que vous me dites à peu près, que vous me disiez, je sais pas comment, ouais, que vous me disiez, pour vous quelle est la moyenne de score pour vous. Quel nombre de kills on doit avoir minimum pour faire un bon match de team. Pour moi ce serait entre 10 et 12 kills pour faire un bon match de team, faut avoir entre 10 et 12 kills. Enfin non non non, pas 10 plutôt, désolé, 8 je veux dire. 8 et 12 kills. Donc là voilà, très bonne action de Forest qui fait lui du 10-4, il a fait aussi un très bon match. Karplouf qui fait du 8-6. Moi je sais pas. Alors Forest en atout, il a condition extrême, bonne gâchette, silence de mort, et en compétence, il a recul. Donc là, voilà, il fait un peu exprès parce que voilà, on a gagné. De toute façon, il n'y a plus personne, donc il laisse un peu le temps, voilà. Donc on gagne cette première manche 8-1 assez facilement. On va se retrouver pour la deuxième map. Donc attendez, je vais juste vous dire les scores, les autres, parce que j'ai pas bien vu les autres combien on a fait. Je vous ai dit les trois premiers. Alors moi, j'ai fait 5-3 et boum, il a fait 5-8, voilà. Allez. J'espère que cette première partie vous a plu et on se retrouve pour la deuxième map. Allez, à tout de suite. Et voilà, yo tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie sur Mission, qui est la map des UMF. Donc on se doutait un peu qu'ils allaient choisir cette map parce que d'habitude, ils prennent tout le temps soit C-Town, soit Mission quand on fait des matchs. Donc pour Mission, cette fois-ci, j'ai décidé de changer d'arme, de prendre la M4A1 silencieuse. Je crois que j'ai mis Impact, Passe-Passe, Bonne Gâchette et Silence de Mort, si je me trompe pas. Et en deuxième arme, je vais avoir le P99 ou l'USP45, enfin un petit gun, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc je fais un premier kill en pleine tête. Je lance une petite grenade flash au cas où pour savoir. Ouais, il y en a bien un deuxième. Là, voilà, je le vois. Je tire, je tire, je tire. Et pleine tête encore. Magnifique, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Donc là, j'avance, j'avance. Là, j'en vois un au fond. Alors là, vous allez voir qu'il va y avoir un cafouillage. Ça m'a vraiment saoulé, oui, dans un sens, mais c'est pas vraiment de leur faute. Voilà, c'est ici, voilà, je le vois le mec. Et en fait, bah voilà, en fait, ils sont deux, il y en a un qui jouait pas. Pourquoi? Bah parce que c'était leur spectateur, parce qu'il y a le droit à un spectateur par équipe. Et en fait, leur spectateur a joué, il a pas trop bien compris.
Et donc ce qui fait que j'aurais pu tuer leur mec et que à cause de ça bah je l'ai pas eu alors que j'aurais pu l'avoir et donc à cause de ce spectateur et bah j'ai pas eu l'adversaire. Donc ça m'a vraiment saoulé, je me suis fait tuer pour rien. Mais bon. Donc on perd la première manche, 1-0. Je fais du 3-1 car plus fait du 1-1, les autres n'ont pas encore fait de kill. Donc le spectateur quitte la partie, c'est ce que j'ai demandé parce qu'il faisait un peu trop de n'importe quoi. Donc là voilà, je me fais tirer dessus, bon il arrive à m'avoir à travers le machin, donc bien joué à toi. Boum qui en tue un, Forest aussi. Forest d'ailleurs qui joue avec sa PP90 et main, silence de mort, bonne gâchette, condition extrême et recul. Boum qui apparaît, qui a les mêmes atouts et la même compétence, sauf qu'il avait l'UMP45. Et Karplouf qui avait les mêmes atouts, mais il avait impact au lieu de recul et il joue avec une Scarelle. Donc il reste plus que ces trois-là. D'ailleurs, on avait un spectateur avec nous dans notre équipe. On avait Franquin 1-2-3. Donc la Forest qui se fait tuer en posant la bombe. Boum, qui essaye d'en tuer un sur les deux qu'il avait. Il a tué aucun des deux. Il s'est fait tuer. Il s'est fait repérer. Donc il reste plus que Karplouf. Il a ramassé une MP7. Il arrive à en tuer un. Très jolie action. Très belle action plutôt. Et donc le deuxième, il était juste devant. Enfin, juste derrière le pick-up devant lui. Et malheureusement, il n'a pas pu réagir à temps. À mon avis, je pense que à peu près tout le monde aurait fait pareil, à part si la personne se serait couchée. Donc voilà, bien joué à eux. 2-0 pour les UMF. Donc là, on commence à dire, ouais, ils commencent à prendre un petit peu d'avance. Donc on va essayer de revenir un peu. Donc là, on change de côté, on est en défense. Donc là, hop, j'avance. Forest qui est d'un côté, moi je suis de l'autre. Je regarde, pour l'instant, je vois personne. Je tire dans la fumée au cas où il y a quelqu'un. Je vois personne, je me mets là au cas où il y en a un qui passe sur le côté. Personne, ok, j'avance. Il y en a un de nos qui s'est fait tuer. Hop, il y en a un là. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais Forez qui l'élimine juste après. Bien joué à lui d'ailleurs. Donc il en reste plus qu'un. Et Karplouf va réussir à l'avoir. Bien joué. 2 à 1 pour les AFTX. Enfin, pour les UMF, pardon. Voilà, petite kill cam à travers le sorte de la sorte de pelleteuse ou tracteur. Non, pas de tracteur. Pelleteuse, hein, je pense. Donc là, j'ai décidé de changer de classe. Je me suis dit la M4, voilà, ça va bien 2 minutes, mais j'y arrive pas beaucoup, j'ai l'impression. Donc j'ai pris l'AK-47 silencieuse avec la grenade frag, la grenade flash. Je vais pas tout le temps vous dire ma classe, mais je pense que vous avez bien compris. Passe-passe, bonne gâchette et silence de mort. Donc Forest qui me vole, enfin qui me fait faire une assistance et qui fait le premier sang. Karplouf qui en tue un à son tour. Donc là pour l'instant on est tous là, on est tous en vie. Donc la Forest qui se fait tuer, je tue son. Je veux dire je tue son assassin, voilà. Là j'envoie un mais Karplouf le tue avant que je puisse faire quoi que ce soit. Et Twister élimine gentiment le dernier. On remonte de partout. Karplouf qui fait un très bon début de match, là, il fait du 6-2. Il a très très bien rattrapé le coup. Là voilà, petite kill cam de Twister à la serre sans silencieux. Donc là on retourne en attaque. Donc là, moi je fais du 4-3. J'ai pas bien vu c'était qui était derrière moi. Je crois que c'est Forest qui est derrière moi qui fait du 4-3 aussi. Ou Boom. Et après, bon, bah de toute façon, après c'est Boom et Twister, je crois, les avant-derniers. Donc là, Twister qui en fait un. Moi j'en fais un de ce côté-là, puisqu'il y en a un qui s'est fait tuer. Je sais pas, j'ai pas bien vu c'était qui s'était fait tuer. Donc je crois que c'est Boom hein, qui s'est fait tuer. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Boom. Donc j'en tue un. Forest s'en fait un aussi. Je regarde s'il y a personne d'autre. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens, mais je préfère encore regarder. J'hésite pour l'instant à y aller, bon vas-y, je me dis vas-y, j'y vais. Il y en a un qui arrive pile au moment où je commence à avancer, donc je l'élimine et en même temps Forez élimine aussi le dernier à la PP90 M1. On voit ça en kill cam. Voilà. Kill cam, on va dire basique, mais bien joué quand même. Donc voilà, je remonte, je fais du 6-3. Donc 2 de ratio, très bien pour un match de team pour l'instant. Donc là on se dit voilà, c'est bon, on les a rattrapés, on a remonté 3 manches, tranquille. Donc là voilà, pourquoi je me suis arrêté? Bah parce que j'ai pris de la bombe encore une fois et que Boom a toujours l'habitude de prendre la bombe. Et là franchement, j'arrêtais pas de prendre la bombe et je sais pas pourquoi ça devait être un réflexe. Il y a des fois où je faisais pas exprès, mais il y a des fois où aussi c'était un réflexe tout simplement. Donc là je dis à Twister de faire gaffe parce qu'il y en a. Là voilà, j'avance parce que je me dis qu'ils doivent être au fond. Et en fait non, voilà, dommage, il était sur le côté, il m'attendait. Forez qui lui aussi se fait avoir par un mec qui campait. Boom qui lui aussi s'est fait avoir un peu plus tôt. Et Karplouf qui vient de se faire avoir. Donc Twister qui élimine un mec. Et celui qui m'a tué élimine aussi Twister. Donc les UMF reviennent 3-3.
Donc là, le match était quand même assez serré. Il y avait 2-0 pour eux, on est revenu à 3-2, et là, ils reviennent à 3 de partout. Donc franchement, c'est vraiment assez serré pour l'instant, au début. Vous allez voir qu'après, il y a une des deux équipes qui va se départager. Donc là, je me suis dit, AK-47, AK-47, est-ce que je garde, est-ce que je garde? Non, bah non, finalement, je garde pas AK-47, je reprends la CR et j'ai mis Impact dessus. Donc vu que j'ai fait la dernière manche sur bootleg avec, je me suis dit, bah pourquoi pas recommencer sur mission avec. Donc là, plusieurs grenades, je me cache, Twister fait le premier sang. Et encore la petite fumée où je vois pas grand-chose. Donc voilà, je me mets un peu en hauteur pour voir. Twister en fait un, Boom lui se fait avoir sur le côté. Twister se fait avoir à son tour aussi par le même mec qui avait tué Boom. Donc je me mets là, hop, je le vois, je dis à Forest de faire attention. Il arrive à l'avoir. Donc je retourne de ce côté-là. Je regarde, non, sur le côté il n'y a personne. Hop, il y en a un qui était là. J'ai voulu dropshot, il m'a pris d'avance. Donc bien joué à lui, il m'a eu. Forest qui lui arrive en tuer un. Il y a celui qui m'a tué qui arrive à l'abattre. Mais Karplouf qui était juste derrière et qui l'abat à son tour. Donc on arrive à prendre l'avantage. 4 à 3 pour les AFTX. Très bien. Très bien joué de la part de Karplouf. Qui est avec un ACR viseur laser. Très joli d'ailleurs son ACR. Donc d'ailleurs j'ai mis à peu près sur toutes mes armes la classe neige. Vous allez me dire mais pourquoi t'as mis la classe neige, enfin le camouflage neige pardon. Pourquoi j'ai mis le camouflage neige? Bah tout simplement parce que j'aime bien, enfin j'aime bien. Je préfère parce que or ça se voit beaucoup trop, c'est ce que me disait Twister. Donc j'ai choisi un autre camouflage que j'aimais bien. Donc là voilà lui il a voulu passer là, il aurait peut-être pas dû. Donc Twister qui vient de faire un kill à l'UMP. Il en fait un deuxième. Il en fait un troisième en quittant. Il en reste plus qu'un. Moi, je vais me mettre sur le côté pour essayer de qu'on le prenne en sandwich. Là, j'entends qu'on lui tire dessus. Et en fait, c'est Forez qui arrive à l'avoir assez facilement, je crois bien. Je sais plus s'il. Non, 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 là, il a eu beaucoup de chance, Forez. Voilà. Là, il a eu vraiment beaucoup de chance que Samos, si j'ai bien vu, ou Sambo, je sais pas comment on dit son pseudo, est tiré, enfin que Forez n'ait pas pris les balles de Samos, quoi, en gros. Donc 5-3 pour la FTX, on arrive à prendre de l'avance. Donc on recommence, la Boom qui arrive cette fois-ci à prendre sa bombe. Donc là, je vais jeter ma petite grenade, hop. D'ailleurs, on me jette une grenade, je fais gaffe. Twister qui se fait attaquer de partout, j'arrive, je viens l'aider. 1, 2, une petite doublette pour commencer, très bien joué de ma part. Donc là j'ai bien sauvé la vie de Twister. Il y en a un autre troisième qui lui tire dessus mais qui arrive à le tuer cette fois-ci. Et je le tue, je tue le troisième quand même. Et il y en avait malheureusement un quatrième qui était là et qui arrive à m'éliminer. Bah c'est pas grave, écoutez, voilà, il y en a un qui s'est fait tuer et il y en a un qui a réussi. Je sais pas c'est qui l'avait tué. Et puis là, le cinquième qui se fait tuer par Boom à la grenade. Très joli jeté de grenade de la part de Boom. Donc voilà, 6 à 3 pour les AFTX, on continue tranquillement notre petite avancée, maintenant qu'au début c'était bien serré, maintenant on a vraiment pris l'avantage, donc on est quasiment assuré de gagner, je veux dire. Donc Boom qui se fait tuer au début, mais Twister qui rattrape en tuant. Donc là j'en vois un, je tire n'importe où, je me suis dit peut-être que je vais l'avoir dans la fumée, je rejette une flash, j'arrive à l'avoir, il est là, je tire à côté malheureusement, donc il arrive à m'avoir. Ensuite Karplouf qui lui à son tour se fait avoir aussi. Je crois qu'il restait. Ouais, ils sont plus que deux à ce moment-là. Je crois qu'il reste. Voilà, donc là il reste Forest déjà qui vient de tuer un gars à la MP5. Twister qui vient d'avoir un mec à l'UMP. Qui recharge 2 contre 1. Donc normalement il devrait les avoir. C'est à Twister qui le voit au fond. Il fonce pour aller essayer de le chercher. Il flash, ça touche pas. Et en fait voilà il avait tout simplement fait le tour et s'était remis en haut. Donc Twister l'élimine assez facilement avec son UMP45. 7 à 3 pour les AFTX. Donc j'ai pas vu ce qu'il a mis comme atout Forest sur son sur sa MP5. Sinon je vous aurais dit mais là j'ai vraiment pas vu. Donc là on rechange de côté, on va en défense. On se dit bon allez ça peut être la dernière manche, on peut finir ça vite. Donc on va y aller, c'est parti. Donc là vous voyez quand même qu'on fonce assez, hein, parce que je dis que je campe pas mal mais ça va encore, hein, franchement. Je suis pas non plus le roi des campeurs dans ces matchs-là. Donc Boom et Forest qui se font éliminer dès le début, donc assez gros coup dur.
Karplouf qui arrive en éliminer un, Twister aussi. Donc moi j'ai des flashs et tout ça pour essayer de voir un petit peu s'il y a du monde. J'ai pas l'impression qu'il y ait du monde, je rejette une flash quand même, on sait jamais. Bon, il y a l'air d'avoir personne, donc j'y vais. Je vais aller de ce côté-là, ouais. Toujours personne. Hop, il y a un mec là. Et dommage, il m'a eu avec sa MP7. Karplouf qui s'est fait avoir à la MP7 aussi en même temps. Et donc, Twister qui arrive à en tuer deux là, à l'instant. Donc, un contre un. Il est là, il saute, il tire. Et mince, malheureusement, Twister ne l'a pas eu. Donc là, il était quand même assez en train de rager, Twister, parce que... C'est vrai qu'il avait mis pas mal de balles et que Alexandre, lui, pour Twister, tirait à côté. C'est vrai qu'il tirait juste devant lui, hein, il tirait pas dedans pour moi aussi. Donc voilà, Twister qui est assez ragé, donc 7 à 4. Donc les UMF reviennent d'une manche. Donc je dis, bon, vous savez quoi, on pose le jeu, on se stresse pas, on y va. De toute façon, encore une manche et on gagne. Donc on y va tranquillou, tranquillou. Donc là, je crois qu'ils avaient quand même assez bien compris le message. À part, voilà, Boom qui vient de se faire tuer encore parce que c'est un gros rusher. Twister qui fait un kill mais qui se fait tuer juste après. Moi, je tire dans la fumée, on sait jamais. Non, j'ai personne. Forez qui arrive à tuer quelqu'un. Donc moi, vous avez vu que je reste souvent dans cette partie-là. Donc là, il y en a un qui se présente à moi, je l'élimine. Forez qui en tue un aussi juste après. Donc il en reste plus qu'un. On cherche. Et je crois que c'est Forez qui a fait à quelqu'un de fin, je suis pas sûr. Ouais, parce que là il se fait tirer dessus, donc moi je décide d'y aller, je vois personne. Je me suis dit, bon, je vais monter. Et puis bah le temps que je monte, c'est Karplouf qui a le temps d'arriver le temps que je monte et qui l'a éliminé. Avec, on va dire, entre guillemets, facilité. Oui, bah oui, même avec facilité. Donc voilà, 8-4 pour les AFTX. Ce premier épisode du AFTX Tournament est terminé. Donc je vais vous dire vite fait les scores. Twister 17-9, Forez 12-7, moi 11-8, Karplouf 9-5 et Boom 4-8. Donc voilà, j'espère que cet premier épisode de cette nouvelle série vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.